Comparé à ceux de mon équipe, j'ai progressé vraiment beaucoup. Que eux, avec les entraînements, je les voyais progresser. Mais comparé à moi, j'avais l'impression de progresser deux ou trois fois plus vite qu'eux parce que je m'entraînais plus. Je m'appelle Charlie Bussière, j'ai 14 ans, j'habite dans la ville de Sens. Est-ce que tu as vu une différence entre le Charlie qui s'entraînait tout seul au tout début et le Charlie qui s'est fait accompagner avec vraiment une structure? Ouais, bah bien sûr, je m'entraînais grâce à des exercices sur les réseaux, mais c'était pas assez structuré. Et là, grâce à mon programme, j'ai vu une marge de progression incroyable. Qu'est-ce que tu conseillerais aux joueurs qui étaient dans ta situation avant de faire maintenant? De te contacter ou même si c'est pas toi, un autre professionnel pour avoir des séances structurées et pouvoir s'entraîner au moins une fois par jour, c'est pouvoir vraiment progresser. Salut Wesley, ça va? Salut Charlie, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien. Ok, la team, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Charlie est un joueur qui a rejoint mon programme d'accompagnement Objectif Pro il y a aujourd'hui 6 mois. Et il a décidé, sa famille et lui, de repartir sur 6 mois parce qu'il a vraiment progressé, etc. Donc je vais laisser un petit peu se présenter pour que vous puissiez un petit peu plus le connaître. Bon, bah, je m'appelle Charlie Bussière, j'ai 14 ans, j'habite dans la ville de Sens. Je suis en seconde générale. J'aimerais continuer à progresser dans le foot grâce au programme de Wesley. Je joue à Pornon Football Club en départemental 1 ou en U16 R2 surclassé. Et prochaine, j'aimerais bien changer de club pour aller dans un plus gros club en R1 si c'est possible, faire des tests et voilà. Ok, très bien. Du coup, Charlie, est-ce que tu as vu une différence entre le Charlie qui s'entraînait tout seul au tout début, qui essayait de reprendre des exercices qu'il voyait sur les réseaux sociaux, et le Charlie qui s'est fait accompagner avec vraiment une structure? Ouais, bah bien sûr. Déjà, ça fait peut-être un an et demi, je m'entraîne chez moi avec des exercices que je prends sur les réseaux parce que j'ai eu un peu un déclic que comment le foot, c'est ma passion et j'aimerais pouvoir un jour vivre du football. Et je m'entraînais grâce à des exercices sur les réseaux, mais c'était pas assez structuré, etc. Et là, grâce à mon programme, bah, j'avais déjà une bonne base, mais à un moment j'ai commencé à stagner et grâce au programme j'ai vu une marge de progression incroyable et vraiment c'est vraiment super bien. Objectif Pro, je le conseille. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux joueurs qui étaient dans ta situation avant de faire maintenant? Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que lui, il a que 2 séances d'entraînement en club. Et pour un joueur qui est ambitieux, c'est très peu. Parce que les meilleurs jeunes de sa génération ont entraînement tous les jours, voire même 2 fois par jour en centre de formation. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur qui est ambitieux, qui a les mêmes ambitions que toi, bah, qui souhaite aller chercher le haut niveau? De te contacter ou même si c'est pas toi, un autre professionnel pour avoir des séances structurées et pouvoir s'entraîner au moins une fois par jour, c'est pour pouvoir vraiment progresser. Et bah, moi, je conseillerais Objectif Pro parce que je l'ai pris au début, je ne savais pas si j'allais être déçu ou pas. Et le programme, j'ai vraiment beaucoup aimé et je peux le recommander à tout le monde. Ok, il y a beaucoup de joueurs qui me demandent comment ça se passe le programme, etc. Tu peux leur dire comment ça se passe un petit peu parce que ça peut être flou, je peux comprendre, tu vois. Bah, le programme, dès que comment on a fait le premier appel avec toi, tu nous envoies un lien par mail et après on a accès à un site. Le site, c'est divisé en plusieurs parties. Il y a endurance, force, technique et mental et vitesse, voilà. Mental, des fois, on peut parler avec toi pour le mental, pour s'aider. On a accès à des vidéos avec un préparateur mental, etc., qui peut expliquer à des joueurs et du coup, on prend pour nous. Après, on a accès aussi au physique. Physique, ça va être des séances de renforcement avec de l'échauffement, puis renforcement poids du corps. Après, technique, c'est des exercices avec un échauffement, bien sûr. Puis après, des exercices de base, des jonglages, des trucs comme ça. Après, plus on monte en séance, plus c'est plus poussé avec plus de coupelles, plus de slalom, des trucs comme ça. Et l'endurance, c'est de la course fondamentale. Des fractionnés, enfin, etc. Fractionnés, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu as vu une vraie différence entre le début et maintenant? Ouais, totalement. Au début, déjà, je m'entraînais un petit peu chez moi avec les exercices sur les réseaux. Je voyais que j'ai progressé, mais je stagnais. Et du coup, j'ai pris le programme. J'ai senti en 6 mois que j'ai progressé vraiment beaucoup. Comparé à ceux de mon équipe, je l'ai vu, que eux, avec les entraînements, comme tu l'as dit, j'ai 2, voire 3 entraînements par semaine en club. Et donc, je les voyais progresser. Mais comparé à moi, j'avais l'impression de progresser 2 ou 3 fois plus vite qu'eux parce que je m'entraînais plus et plus intelligemment surtout. Ok. Qu'est-ce que tu en as pensé de la séance qu'on a fait aujourd'hui? C'était super bien. On a pu s'entraîner, on était 4, c'était super bien parce que au moins on a pu faire des joes, on a fait une brésilienne 2 touches. C'était super bien. Enfin, vraiment incroyable. Ok, très bien. Voilà la team. En tout cas, c'est le témoignage d'un des joueurs que j'accompagne. Pour souligner aussi, c'est pas que des exercices que je leur donne. Non, une fois par semaine, je fais des débriefings avec eux pour savoir comment leur semaine s'est passée, avec le coach, comment ça se passe. Des fois, ils vont faire des vieux matchs, ils vont vouloir se confier à moi. Donc c'est un vrai encadrement, un vrai accompagnement comme je le dis. En tout cas, pour tous les joueurs qui souhaitent nous rejoindre, je vous mettrai le lien de Objectif Pro, mon programme d'accompagnement, en dessous de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus et je vous prendrai un appel d'entretien de sélection. D'accord la team? Merci à toi Charlie, on se voit à la prochaine séance. Yes. À la prochaine séance.